très grande entreprise ne sait trop rien de la crise. Et notre établissement turbine à plein rendement. C'est que des carnets de commandes, comme ça on en redemande. Oui, mais les actionnaires qui toujours s'exonèrent de tout esprit civique, ne voyant que le fric, disent qu'on n'est pas rentable autant qu'il est souhaitable. Amis du globe entier, je vous offre ce chant, faites-en un bouclier contre l'ordre marchand. Une banderole, une bannière claquant au vent nouveau, une pierre parmi les pierres pour que le monde soit beau. Vient de nous annoncer qu'on veut nous reclasser. Oui, mais à quel salaire? Où et dans quelle galère? Ce que je sais, c'est que la boîte où il y a tous nos acquis, va falloir qu'on se batte pour la garder en vie. Car le grand directeur n'est là que pour faire le vide, en nous tenant la bride jusqu'au dernier quart d'heure. Amis du globe entier, je vous offre ce chant, faites-en un bouclier contre l'ordre marchand. Une banderole, une bannière claquant au vent nouveau, une pierre parmi les pierres pour que le monde soit beau. On va pas se laisser faire, on ira dans les lieux où se décident les affaires, à l'écart de nos banlieues, de nos maigres logements, de nos chers lotissements. On fera des réunions, on va manifester pour mettre l'opinion publique à nos côtés. Les barons du pognon feraient mieux de nous écouter. Amis du globe entier, nous vous offrons ce chant, faites-en un bouclier contre l'ordre marchand. Une banderole, une bannière claquant au vent nouveau, une pierre parmi les pierres pour que le monde soit beau. Très grande entreprise, à qui elle appartient, à ceux qui la méprisent et lui brisent les reins, ou à ceux qui produisent tant de services et de biens. Jusqu'à quand l'être humain sera-t-il sacrifié pour n'être que le pantin d'un grand jeu financier? C'est cette loi des reins qu'il faudrait licencier.